Alors, on commence cette journée des rencontres du développement durable, cette journée numéro 7 des premières rencontres du développement durable sur le thème « Conduire une transition juste » avec co-organisée avec Audencia, avec une Ligérienne et pas des moindres, Sarah El Haïry, qui est secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement. Et quoi de mieux pour parler des générations futures? Sarah, bonjour. Bonjour Thomas. Je suis vraiment ravi de t'accueillir parce que s'il y avait un ministre qu'il fallait mobiliser pour parler de l'avenir, c'est évidemment toi, puisqu'il y a dans notre génération, on a à peu près le même âge, des jeunes qui se posent beaucoup de questions. De façon générale, dans la société française, il y a des peurs de tomber dans la pauvreté à cause du Covid. Mais pour les jeunes en particulier, pour lesquels le marché de l'emploi s'éloigne très vite, il y a vraiment cette crainte d'une génération sacrifiée. Qu'est-ce que tu as à leur dire, à ces jeunes pour qui tu as ce ministère, de leur assurer un avenir? Moi, on a vu les titres de presse. Génération sacrifiée avec un point d'interrogation. Moi, ça me met toujours très en colère. Pourquoi? Parce que cette crise sanitaire, oui, elle a bousculé notre pays. Oui, elle a bousculé notre économie. Mais plus que jamais, notre jeunesse, elle n'est pas sacrifiée, elle ne se laissera pas sacrifier. Pourquoi? Parce que pendant le confinement, moi, j'ai vu une jeunesse, Thomas, qui s'est engagée, encore plus qu'avant. J'ai vu des jeunes aller s'inscrire sur, tu sais, le site jeveuxaider.gouv.fr, qui était un grand site en fait, d'engagement qui a été lancé pendant la crise, en tout cas remis en lumière. Des jeunes qui, parce qu'ils voyaient la nécessité de prendre leur place dans notre société, se sont préoccupés de leurs voisins, de personnes âgées, ils ont apporté des repas, ils ont créé. Et ça, en fait, c'est la force, c'est l'ADN de notre génération, c'est cette capacité à se réinventer, mais quasiment en temps réel. Et donc, à partir de là, je crois qu'on ne peut pas dire que notre génération est sacrifiée ou à risque de l'être. Ça ne suffit pas de dire que l'énergie existe dans notre génération. Bien sûr. Que dans notre génération, il y a cette capacité à réinventer notre manière de vivre, notre manière de manger, notre manière quasiment de créer des liens. Ça ne suffit pas parce qu'il faut aussi un accompagnement. Bien sûr. Et cet accompagnement, il est au rendez-vous. Moi, je dis souvent qu'il n'y a pas de génération sacrifiée, mais non. C'est sûr qu'il y a une génération qui est traumatisée parce que la peur, elle est bien là, elle est dans les tripes, elle motive parfois à agir, tu l'as dit. Mais cette peur, comment est-ce qu'on peut essayer de la transformer d'une force un peu obscure, qui peut ralentir, qui peut détruire la cohésion sociale en quelque chose de plus positif? Et là, je m'adresse autant à la secrétaire d'État à la jeunesse qu'à la secrétaire d'État à l'engagement. La réponse, elle est dans l'engagement, en fait. Ce virus, vivre avec ce virus, fait peur à beaucoup de monde, fait peur à vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est normal, c'est quelque chose qui évolue, c'est quelque chose qui bouscule notre quotidien. Vivre avec un masque, c'est pas la chose la plus naturelle. Enfin, on va pas se mentir, non, c'est pas agréable, non, c'est pas facile. Mais c'est notre seul outil pour continuer à vivre. Et donc vivre avec. Mais vivre avec, ça veut dire quoi? Ça veut dire transformer notre manière finalement de sortir, transformer notre manière d'aller au théâtre, transformer notre manière de nous engager. Comment on sait tous... On a adapté nos organisations associatives pour faire du distanciel, faire de la visio. Et en même temps, on a besoin de relations humaines. Enfin, on est des êtres sociaux. Moi, en tout cas, c'est ce qui me nourrit, c'est ce qui me donne de l'énergie. Mais vivre avec et ne pas avoir peur, c'est s'engager. Donc, prendre sa place et prendre sa part. Prendre sa part, différentes manières. La première, c'était la nécessité que le gouvernement, la majorité, que l'État accompagne cette période, cette génération de 700 000 jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Comment on fait concrètement? Plus que jamais. Il y a eu un plan qui s'appelle « Un jeune, une solution ». Ce n'est pas un slogan, Thomas. Ce n'est absolument pas un slogan. Parce qu'on pourrait imaginer « Ah mais oui, mais en fait, c'est des grands mots ». Pas du tout. C'est pour les étudiants, pour les jeunes actifs, on va détailler. On va détailler, mais c'est pour tout le monde. Parce que notre jeunesse, parce que moi je suis en charge de la jeunesse et de l'engagement, avec un grand J, un grand E, mais en réalité, c'est des jeunesses. Notre pays, il a des jeunesses. Quand on est jeune, on peut être déjà parent. On peut déjà avoir des enfants et avoir des problématiques de jeunes parents. On peut être au travail, on peut déjà travailler. Et donc, c'est plutôt des problématiques de jeunes actifs. On peut être en études, en école ou à l'université, ou en prépa, ou en BTS. Enfin, on peut être alternant, donc dans une autre forme d'équilibre entre une entreprise et le monde académique et scolaire. Mais aussi, on peut être dans une situation où on est un peu plus perdu. Et ça existe. Et je crois qu'il faut nier aucune de nos jeunesses et apporter plutôt des solutions à toutes nos jeunesses. Et donc, très concrètement, pour ceux qui ont besoin de plus d'aide, plus d'accompagnement, dans le plan jeune, on monte à 150 000 garanties jeunes. Garanties jeunes, c'est quoi? Parce que
C'est pas connu, c'est méconnu. Une garantie jeune, c'est une aide financière parce que oui, on a une génération qui est en situation difficile financièrement parlant. Et je crois qu'il ne faut pas le nier. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas mettre de poussière sous le tapis. Il faut dire les choses. Et donc, une aide financière, c'est à peu près 490 euros par mois, mais en signant un contrat, en s'engageant. C'est main dans la main, c'est partenarial. Et donc, quand le jeune, il accepte d'aller dans un parcours, et dès 16 ans, entre 16 et 25 ans, d'être accompagné, d'avoir des temps collectifs. Tu crois comme moi à l'intelligence collective, tu crois comme moi à la capacité de grandir quand on est en commun. Eh bien, la garantie jeune, c'est un accompagnement collectif avec des jeunes, mais aussi avec des professionnels qui sont là pour lui permettre finalement de retrouver son chemin. Il y a plusieurs chemins pour réussir dans la vie et pour réussir sa vie. C'est saisissons les chemins qui est le sien. Et pour réussir ces chemins, il y a évidemment, c'est une des grandes leçons de cette crise, s'il en fallait une, c'est qu'il y a la solution de l'immédiat, de comment est-ce qu'on répond à cette génération qui n'est pas certainement sacrifié, mais qui est à coup sûr vraiment traumatisé, qui a cette crainte chevillée au corps. Il y a l'immédiat et puis il y a le temps long. Oui. On vient de créer un haut commissariat au plan avec une idée très simple, c'est-à-dire de se dire le rôle de l'État, le premier rôle de l'État, c'est d'assurer la sécurité de chacun en pensant au temps long, au long terme. Et on sait que le temps long, à horizon 2030, à horizon 2050, il sera très compliqué, pour ne pas dire invivable, si on continue sur cette trajectoire. Alors, puisque toi, tu es ministre de la jeunesse avec un grand J, avec toutes ces jeunesses, avec plein de petits J partout, tu as d'une certaine manière la charge de s'assurer que dans cette anticipation, les générations futures sont représentées, incluses, écoutées. Comment ça fonctionne ? Ça fonctionne de deux manières. La première, c'est l'arrivée de ce haut commissariat au plan. Moi, j'en suis ravie. J'en suis ravie parce que c'est pour notre génération, c'est pour les générations qui arrivent, qu'on imagine, qu'on construit ce plan. En plus, il se trouve que ce haut commissariat au plan est porté par François Bayrou, qui est un homme pour qui j'ai énormément d'estime et en qui j'ai confiance, en cette capacité de projeter le monde qui est le nôtre et de le projeter de différentes manières, souveraineté économique et alimentaire. Transition environnementale, la place du numérique, la place de l'intelligence collective dans cet ensemble, mais également les emplois sur nos territoires. Et tout ça, oui, il faut prendre le temps de le projeter, de l'imaginer. Mais Sarah, une petite question, je sais que tu as une confiance inébranlable en François Bayrou, mais on n'aurait pas mieux fait de mettre quelqu'un de 30, 40 ans de moins pour cette projection dans l'avenir ? Eh bien, pas du tout. Je vais te dire pourquoi. Parce que quand tu as 30 ou 40 ans, il se trouve qu'aujourd'hui, tu es membre d'un gouvernement, et c'est mon cas, tu vois, j'ai 31 ans, je suis aujourd'hui membre du gouvernement. Par contre, quelqu'un comme François Bayrou, qui l'a imaginé, qui l'a projeté, qui a réfléchi depuis longtemps, le temps de demain s'écrit en ayant conscience et connaissance de l'histoire, de notre temps ancien. Et en fait, c'est en connectant. Donc, le Haut Commissariat au Plan projette l'avenir d'un pays avec ses forces et ses faiblesses. Et c'est peut-être l'élément central qui fait que, pour moi, c'est aujourd'hui une des meilleures personnes, si ce n'est la meilleure personne pour cette mission. Pour revenir très concrètement sur les transitions et comment on intègre le temps long, je pense que ça n'a échappé à personne, mais le plan de relance, c'est un plan de confiance en l'avenir. Et il intègre en lui, dans ses 100 milliards, il intègre en lui les deux grandes transitions qui sont les nôtres aujourd'hui. Une transition environnementale qui est aujourd'hui, je veux dire, qui n'est plus une option. Et ce n'est pas demain, c'est maintenant qu'il faut le faire. Donc comment notre économie s'adapte? Comment on répond à cette aspiration de notre jeunesse? Qui est la génération qui a marché pour le climat? Celle qui est en train de changer sa manière de consommer pour intégrer et donner les signaux économiques. C'est la nôtre. Et pour passer le cap de « je donne un signal », je souhaite qu'il y ait des transformations et je les fais vraiment, eh bien, il nous fallait des investissements qui sont structurels. Et le plan de relance, qui est c'est un plan de confiance en l'avenir, en notre génération, pour transformer, est le premier et une des billes. Mais ce n'est pas suffisant. En réalité, ce n'est pas suffisant parce que nous savons que cette transformation ne peut être réelle que si elle irrigue tout le territoire, que si tout le monde s'en saisit et si nous en sommes tous des acteurs dans l'enseignement, dans l'engagement associatif, dans notre diplomatie, je sais que ça te tient à cœur, dans la parole publique. J'allais zoomer là-dessus parce que tu portes un pins qui a une signification extrêmement forte en ce moment, c'est le fameux pins des objectifs de développement durable des Nations Unies. On a adopté il y a 5 ans ces ODD comme un cadre universel pour penser le développement durable. D'une certaine manière, ça pourrait être la feuille de route de François Bayrou à la tête de ce Haut Commissariat au Plan. Comment est-ce qu'on s'assure dans la mise en œuvre de cette transition, puisqu'on on a mis 100 milliards d'euros sur la table, on sait à peu près comment c'est fléché.
Mais une fois qu'on passe à l'action, on prend un euro, où est-ce qu'on le met? Comment est-ce qu'on s'assure pas seulement du taux de rentabilité pour les finances publiques et évidemment pour le bien-être social, mais pour l'environnement? Comment est-ce qu'on mesure le fait que chacun de ces euros investis sera en ligne avec ces objectifs de développement durable? Ils sont nombreux, les parlementaires, hein, qui nous ont accompagnés dans la conception de cet événement, en disant un message simple: on fête un anniversaire extrêmement symbolique qui ne doit pas rester un symbole parce qu'on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps, on en est tous acteurs, et finalement, c'est chacun doit prendre sa part. Quand tu es jeune et que finalement tu choisis l'entreprise dans laquelle tu veux travailler, à toi de regarder. Où tu veux travailler, pour qui tu veux travailler, dans quel sens. Moi, avant d'être élue députée, il y a à peine 2 ans, j'étais dans une coopérative, dans une SCOP, et je l'ai choisie. Parce que je considère que dans nos actes, nos actes ont des conséquences. Et oui, je crois à la théorie du colibri. Et cette transformation structurelle, elle est portée par des acteurs public, mais ça ne peut fonctionner que si chacun prend sa part. Et donc moi j'invite à tous les jeunes diplômés, à tous ceux qui cherchent une alternance ou un contrat de professionnalisation, à tous ceux qui ont cette force entre les mains, parce que oui, c'est une chance. Aujourd'hui, quand on voit nos entreprises et les entreprises essayer de draguer notre jeunesse, parce que c'est ça, draguer notre jeunesse, eh bien faisons que ce soit un élément essentiel. En plus, pour accompagner, pour renforcer, pour accentuer l'énergie structurante et structurelle qui va être votée. Évidemment, le débat parlementaire va commencer. Et donc, c'est dans ce cadre-là que ce plan de relance va prendre corps et prendre forme. Mais au-delà de ça, il ne faut pas oublier une chose. Notre planète, c'est notre responsabilité à tous. Et donc, plus il y aura d'actions comme celle d'Open Diplomacy, qui irrigue, qui crée des liens, qui crée de la compréhension mutuelle, qui fait que la diplomatie soit forte, que la diplomatie française soit au cœur de la diplomatie mondiale, plus nous réussirons à faire de nos enjeux, de nos priorités, c'est-à-dire la protection de la planète, l'accompagnement des transitions. Une transition, c'est quelque chose de brutal. Une transition, c'est quelque chose qui peut inquiéter. Et quand on fait une transition, il ne faut perdre personne. Et essayer de ne pas perdre personne, c'est accompagner tous les écosystèmes, accompagner ceux qui sont plus loin du numérique, accompagner ceux qui aujourd'hui se questionnent sur leur manière d'exploiter, d'élever, ceux qui sont à l'autre bout du monde et qui aujourd'hui produisent ce que nous consommons aujourd'hui. À nous de nous questionner sur qu'est-ce qu'on mange, à quel moment, est-ce qu'on a envie de ça ou pas. Et je crois en cette force quasiment structurante de notre société. Si nous sommes tous acteurs, alors nous accélérons les transitions. Si nous sommes tous acteurs, alors nous les rendons concrètes et beaucoup plus rapides. Et c'est l'invitation qui est la mienne. Merci Sarah, je pense que tu viens d'insister sur l'importance de conduire une transition juste, une transition qui inclut chacune des catégories de population plus ou moins éloignées des pouvoirs publics, plus ou moins éloignées de l'emploi également. C'est l'objet de toute cette journée de réflexion. Donc évidemment on va parler d'inclure l'égalité femmes-hommes dans cette transition, parce que la transition numérique, elle peut laisser pour compte des femmes. On sait combien elles sont peu nombreuses dans les filières scientifiques, et on va y revenir. On va évidemment parler de la transition juste pour les territoires, parce que chaque territoire n'a pas la même faculté d'adaptation à cette transition numérique et climatique. On n'est pas frappé de la même manière par le changement climatique à Metz ou à Nantes, entre un climat continental et un climat océanique, et donc on n'a pas les mêmes risques et on n'a donc pas la même protection de l'État ni des entreprises. On va effectivement aussi parler de solidarité internationale, puisque comme tu l'as dit, le message de la France a toujours et sera toujours un message universel. Et donc la transition que nous portons, c'est une transition que nous partageons. Merci beaucoup Sarah El-Haïry pour cette invitation. Je sais que tu es secrétaire d'État à la jeunesse et à l'engagement, et j'espère qu'il n'y a pas que des engagés ni que des jeunes qui ont écouté tes paroles, qui me semblent très sages aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup Thomas. Merci à tous.